Le traitement proposé par le professeur Didier Raoult contre le Covid-19 est loin de faire l'unanimité, mais il a convaincu Laeticia Hallyday. Vendredi 27 mars 2020, sur Twitter, la veuve de Johnny n'a pas hésité à soutenir ouvertement le professeur aux méthodes controversées. Confiné dans sa maison californienne de Pacific Palisades avec ses deux filles, Jade 15 ans et Joy 11 ans, Laeticia Hallyday reste particulièrement active sur les réseaux sociaux. Le 27 mars 2020, la veuve de Johnny Hallyday s'est saisie de son compte Twitter pour partager un étonnant message de soutien au professeur Didier Raoult, spécialiste en microbiologie qui, depuis l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) de Marseille, affirme avoir trouvé un traitement contre le Covid-19. Vendredi 27 mars 2020, Laeticia Hallyday a relayé deux tweets du médecin et chercheur qui réaffirment l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus. C'est une grande nouvelle qui ouvre une petite porte qui est pleine d'espoir. Merci @Raoult-Didier, a-t-elle d'abord témoigné, avant d'ajouter. Merci @Raoult-Didier pour votre persévérance et votre détermination. Mais le traitement proposé par Didier Raoult, pourtant renommé mondialement dans sa discipline, est loin de faire l'unanimité parmi ses pairs, une étude publiée trop rapidement, après seulement 15 jours de tests sur quelques patients. Pour autant, un essai clinique européen, lancé le 22 mars dernier dans au moins 7 pays, teste l'hydroxychloroquine parmi d'autres molécules. Le ministre de la Santé Olivier Véran a malgré tout accepté que la prescription de la chloroquine, dans certains cas très encadrée. En attendant la fin de cette crise sanitaire et un éventuel remède, Laeticia Hallyday trouve à s'occuper avec ses filles Jade et Joy. Vendredi, dans ses stories Instagram cette fois-ci, celle qui vient de fêter ses 45 ans a partagé leur dernière activité en famille, un atelier pizza grâce à des kits de préparation livrés à domicile. La classique margarita pour les enfants, la version avec pepperonis pour les adultes, de la fabrication de la pâte à la dégustation dès la sortie du four dans la cuisine, mère et fille ont profité d'une joyeuse pause gourmande.